Eh bien, salut à tous et bienvenue dans le match numéro 19 de NHL 5 avec aujourd'hui un match contrôlé Montréal Canadien à l'extérieur. Bon, c'est parti. Toujours en repassant en pro, voilà. C'est parti donc. Donc aujourd'hui les Montréal, un gros morceau. Voilà, en plus on se fait défourailler dans ce championnat. On a seulement 3 victoires en 19 matchs, 18 matchs, voilà. 14 défaites, un nul, 14 ou 15 défaites, je sais plus, je compte même plus. Voilà, donc bon, on a plus grand espoir de se qualifier, mais bon voilà, maintenant c'est pour le plaisir. C'est pour apprendre à jouer, voilà, c'est pour s'amuser. Il n'y a plus trop d'enjeux là au niveau de la qualification. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive à se qualifier, surtout si on continue à jouer comme ça. Donc là on n'a plus vraiment de pression, c'est vraiment faire le spectacle. Voilà, c'est ça. Essayer de. Mais bon, en essayant d'être. De pas être l'équipe. Oh là 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 là, qui encaisse le plus de buts, mais ça commence mal. Comme d'hab. Ouverture du score, ça devient un sketch, c'est du comique de répétition. 1-0 pour Montréal. Ils ont pas traîné pour voir le score sur leur première action. Une frappe intéressante, mais. Le gardien qui gèle le palais. Ah, dommage, je rate le palais. Ça, c'est dommage parce que là, ça aurait pu être dangereux, cette action. Allez. Ah, ça n'arrive pas! Dommage. Allez, faut y aller! Ah, dommage, j'ai raté l'interception. Ils ont un peu qu'il y a froid là, les Canadiens. Oula, oula, oula. Les esprits qui s'échauffent. On sait pas trop pourquoi. Allez. Voilà. On manque d'originalité, j'ai l'impression aussi. Une créativité en attaque pour arriver à vraiment faire quelque chose. Allez. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Allez, faut y aller. Ah, le gardien qui était sorti là.
geometrically to Gallagher. Nice move to shake on through. Back in his defensive end to get it. And he takes it through center ice to Steen. Shoots one. Ah, dommage. Ah, attention, le joueur de Montréal n'est plus le palais. Allez, faut remonter maintenant. Ah non, changement de ligne au mauvais moment là. Bon, bah, à part sur le but, ils ont pas vraiment d'action, les Montréal. On a été cueillis à froid. En tout cas, ça fait un 0 pour eux. Ah, il va falloir cravacher pour essayer de remonter ce but. Parce qu'on n'a pas non plus, finalement, on n'a pas eu tellement d'occasions non plus. Une belle frappe, mais. Move to the barrier at center ice by Brendan Gallagher. Looks ahead to start something. Allez. And he glides on to center ice. Scooped up, got that. Oh, dommage! He covers and a face-off. Ça, c'était pas mal fait, mais le gardien qui s'est pas laissé surprendre. Et on revoit ça. C'était une frappe. En fait, la frappe a été ratée. Le mec a cassé sa crosse. Ça a fait une passe. Derrière, le joueur a suivi, a tiré, mais. Ça va pas. C'est pas rentré. Ah, je me suis fait reprendre. Allez, Steen. Voilà, bien joué. La défense, allez, il faut remonter. Il a pas relâché. Dommage. Ah, j'ai pas pu tirer. Attention à Plekanech là. Il y a des vieilles connaissances là. Oh, oh, quel numéro de Plekanech. Heureusement, heureusement, le gardien s'est pas laissé avoir. Allez, il faut reprendre le palais là. C'est un peu la panique là, j'avoue. Allez, il faut reprendre le contrôle du jeu. Voilà, c'est fait. Ah, mais c'est pas possible ça. C'est quoi ces manchots là? Allez les gars, il faut y aller. Hein. Faut être plus adroit que ça devant le but. Attention à Plekanech là, il est dangereux joueur. On a pu voir son style tout à l'heure. Ah, dommage. Ah, dommage. Il faut y aller là, faut aller dessus, faut aller dessus. Gathered in by PK
Allez. St. Louis starting from scratch. Takes it up that side. Shoots one. Remarkable stop. No team worth. Bon, attention, il va y avoir faute là, non? Même pas? Non? Même pas? Ah si, si, si. Ouais, ouais, bah ouais, forcément. Faute sur le gardien. Obstruction, bah ouais. Tu m'étonnes. Le gardien qui s'est fait sécher. Rudesse, ouais, c'est ça. Face-off. Bon bah on peut encore garder l'espoir, on a encore il y a encore qu'un seul but d'écart. On peut encore revenir dans le match. Oui, juste avant la mi-temps, à 3 secondes. Magnifique but. Alexander Steen qui trouve la lunette. On revoit ça. Il restait 3 secondes. Et voilà. Un partout, ça c'est bien. Ce qui prouve qu'on peut remporter nos matchs. On peut remporter nos matchs. Si on arrive à être plus vigilant en défense, on peut remporter nos matchs. Il n'y a pas de raison. Allez, dernière période. En plus, on a inscrit un but en infériorité numérique, j'ai l'impression. Ouais, on était en infériorité numérique. Steen's looking for another shorthanded goal. He's already got one in this game. The scrum to the plexiglass. Scooped up by PK Subban. The Blues have killed. C'est bon, on a résisté. On a résisté. On en vient à 5 contre 5. He heads right for the net. Allez, ça c'est pas mal fait. Défensivement. Bien joué l'interception, allez. Ah, j'étais bloqué. Wouh ! Ah, résiste bien. Wouh ! Ouh là 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 ! On calme le jeu, on calme le jeu. Allez, Cole. Ouais, dommage. Bon, j'ai compris Toronto. Non, c'est pas Toronto en fait. C'est mon joueur qui s'appelle. Pas Toronto. Ouh, attention, attention. Allez, allez, allez. Ouais, mais là, t'es tout seul, mec. Ouais. C'est un peu ardu là.
gardien qui sort. C'est Price, un des meilleurs gardiens du championnat. Ça, je le sais aussi. En ayant vu quelques matchs l'année dernière. D'ailleurs, la saison qui va bientôt reprendre, c'est si elle n'est déjà reprise, je crois. Je sais pas exactement pour ça ça le reprend. La saison 2015-2016 de NHL. À suivre sur YouTube, il y a des chaînes pour ceux que ça intéresse. Il s'amuse à. Il y a des gens qui. Enfin, il y a des chaînes en fait qui remettent les. Qui, une fois que les matchs sont joués, en fait, ils les mettent en ligne sur YouTube et on peut les revoir autant quand fois qu'on veut. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai pas les télés américaines, mais du coup, ça me permet quand même de voir les matchs en léger différé. Avec un ou deux jours de différé. C'est sympa. Et ça fait toujours. Moi, j'aime bien. J'adore regarder les matchs de hockey. Je regarde plus que les matchs de foot d'ailleurs. C'est ça. Allez, ah! Alors. Wouh! Ouais, le jeu qui est pas raté, le jeu qui est pas raté. Ah si, là, non, le jeu qui est raté. C'était un peu chaud là, il y a eu. Le gardien qui a plongé, je sais pas trop ce qui s'est passé, ça a foutu un souk. Pénalité. Ah, je crois qu'il y a deux joueurs qui ont été. Ouais. Les deux joueurs. Rudess, ouais, comme tout à l'heure. 4 contre 4. Allez, reste 30 secondes, allez, Pietrangelo, allez, faut y aller. Ouais, le problème c'est quand on n'a pas de vitesse pour bousculer les joueurs, c'est pas évident, il faut de la vitesse pour pouvoir faire ça. Il faut être en mouvement, si on a l'arrêt, c'est pas possible. Ah, allez, en tout cas, voilà, c'est ça. C'était l'idée, c'était de tenir jusqu'à la fin la période. Un partout. Bon, un bon match. On résiste bien. On a réussi à revenir dans le score, dans la partie. À 3 secondes de la fin de la première période. Score nul et vierge dans la deuxième période. Troisième période qui s'annonce passionnante. Ah, c'est. D'accord. C'est Nendes à 3 contre 3. D'accord. Oh purée, ça passe pas loin. Alors, attention parce qu'à 3 contre 3, il y a énormément d'espace. Et si on n'y arrive pas, il y aura les tirs au but. En fait, c'était la 3ème période. Je pense que c'était la 2ème période, mais c'était déjà la 3ème période. Allez, on récupère, allez, une fois remonté le palais, il y a moyen. Ah, dommage. Ah oui, c'est parce qu'il y avait une pénalité, en fait, c'est 4 contre 4, ok. C'est pas 3 contre 3, c'est 4 contre 4. Effectivement, il y avait les pénalités qui se terminaient de la fin de la période. On rate l'interception, attention. Oh attention, et bah oui, voilà, forcément. Aïe. Eh ouais. Défaite. Nouvelle défaite. Ah bon, on s'est bien battu. On a poussé Montréal aux prolongations. Mais ça fait défaite quand même à la fin. Contre Montréal, voilà. Donc, bah écoutez, je vous donne rendez-vous. Donc, la prochaine fois, pour le match. Le match numéro 20. De NHL 15. Allez, ciao, salut à la prochaine.